Chat, elle a choisi ça pour maman et papa. Ça, j'ai choisi pour Rochelle parce qu'elle voulait un porte-clés un peu stylé et moderne, minimaliste. Du coup, je lui ai pris un sifflet comme ça au cas où si elle en a besoin. Et du coup, pour moi, j'ai pris un bracelet où je vais mettre mon prénom Nathalie. On va dire que je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il allait faire très très beau. J'ai ramené que des vêtements d'été, des robes, des jupes. Il faisait pas vraiment froid, c'était juste qu'il y avait énormément de vent. Oh là là, à tout à l'heure. Waouh, on se prépare parce qu'on va aller manger quelque part et... Non, c'est en contre-jour ici, c'est pas beau. Où est-ce que... C'était déshabillé, oh my god. Maybe here. Non, ça va tomber. Bon, it's okay. En fait, hier, je vous explique. On n'a pas besoin vraiment parler comme ça. Je vais tout faire sur le editing, on verra. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à Barcelone avec Natacha. On va se promener, on va aller à la Rambla, on va aller au marché. Et ensuite, on va aller acheter les donuts de maman. Parce que bien sûr, ma maman et les donuts, c'est une histoire d'amour. Donc oh, j'ai tellement bien dormi. Le lit, il était tellement confortable. Je me suis allongée sur le lit et j'étais... Ouais. Wow, oh, le lit. Je vais vlogger après dès qu'on est dans le bus ou je sais pas.
jamais. Petite update, on est arrivé à Barcelone, place de la Catalunya. On a fait combien de temps de trajet? On a fait 2 heures de trajet, c'était très chiant. Et c'était vraiment 2 heures de long trajet, c'était affreux. Là, je pense qu'on va rester jusqu'à 17h. Ouais. Parce que comme c'est 2 heures de trajet comme ça, à 19h on y arrive, on arrive à la maison, à l'hôtel. Voilà, voilà. Voilà, si je vous parle du temps, il fait un peu gris, sombre. Qu'est-ce qu'on fait à Barcelone, franchement? Donc là, avec Astrid Chacha, on va manger, on va se promener et après on verra. Donc suivez-nous pour cette aventure de malade. Oh non, c'était très awkward. C'est parti pour ce vlog. Je kiffe Barcelone. Alors j'adore les petites ruelles comme ça parce que il y a tellement de pépites, de bonnes choses qu'on peut trouver. Là on peut voir le petit Alley-Hop. Lucas Complément, Bougi, là c'est Forms Pain je pense. À mon avis ouais, bread and all. And all the stuff, all the good stuff. Secret. Oh. Ok, Natasha, elle express her love for Alley-Hop. Je vais vous laisser là parce que on va découvrir tout ça. What are you doing here? Malo ou gomme? Montre. Marshmallow ou le diamant, il y a un diamant en haut. Bon, comme tu veux, hein. Tu me demandes mon avis, hein. C'est fermé. Ah, c'est Pâques. Bon. Vous savez déjà. Alors Nathalie, t'as pris quoi? Comme d'habitude, hein. Mais moi je trouve que ça coûte plus cher, hein. Ouais. Pour ce que c'est. Par rapport à là ou là ou là-bas. C'est tout fermé en fait parce que c'est... C'est parce que c'est Pâques. Everything is closed. Ça. Mmh. Et Natacha a pris ça. On vous retourne. Voilà mes cheveux. Don't mind my hair, guys. Oula, 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 oula. C'est en fait hier, on n'a pas pu aller à la plage. Je vous dis, j'ai tellement envie de me baigner, mais je sais que l'eau, elle est oulala. Donc là on s'est posé devant la plage, enfin devant la mer. On écoute le son des vagues et tout, un peu relax. Mais c'est dommage qu'on a raté le coucher du soleil parce qu'on voulait vraiment voir le coucher du soleil. Mais on l'a raté, c'est pas grave, c'est pour une prochaine fois. Donc là on verra, après il n'y a plus de charge.